Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle courte vidéo. Je vous jure qu'elle sera courte. Enfin, je vais essayer parce qu'il est 23h21. Alors, j'ai été sur Ubuntu 20.04 et oui, encore parce que je teste. Et j'étais en train de me dire, tiens, c'est bien parce que sur cet Ubuntu 20.04, dans les paramètres catégorie compte en ligne, voilà, j'ai ajouté quatre comptes en ligne. Ubuntu, qui permet juste d'utiliser des ressources réseau. Par contre, j'ai ajouté Google, qui va me permettre d'avoir accès à mes courriels, agenda, contacts, documents, photos, fichiers, imprimantes. Cool. Facebook, qui lui permet d'accéder à mes photos, cartes. Yeah. Microsoft, courriel, documents. Ok, c'est bien. Par contre, si je me rends dans les logiciels, ça c'est le package logiciel de base de cet Ubuntu 20.04, eh bien remarque que je n'ai pas, ce n'est pas parce qu'on a la possibilité de connecter ses comptes en ligne que l'on a également par défaut les logiciels prévus pour avoir accès à ce qui se trouve en ligne. Vous comprenez un petit peu le délire? Sauf Agenda qui est là. Et voilà, qui me permet d'avoir accès à tout ce qui se trouve sur mes agendas en ligne. Hormis ça, mais je n'ai rien d'autre comme application. Je regarde, hein. Éditeur de texte, voilà, c'est un éditeur de texte simple, c'est Gedit, il ne va pas me permettre d'avoir accès à mes documents en ligne. Non. Ok, on continue. Extension, fichier. Ah, fichier, donc Nautilus. Vu que j'ai connecté Google et on peut voir fichier, j'ai via Nautilus accès à mon drive chez Google. Pas mal. Pas mal, pas mal. On continue. Alors, je regarde. Thunderbird, oui. J'ai bien mes comptes de messagerie dedans, j'en ai deux, mais c'est moi qui les ai ajoutés manuellement. Le fait de connecter, voilà, mes comptes en ligne, ici, hein, notamment donc Google, on peut voir courriel, Microsoft, on peut voir courriel. Thunderbird ne tient pas compte de l'ajout de mes comptes en ligne. Ok, on continue. Musique, non. Shotwell. Shotwell ne va pas tenir compte de mes comptes en ligne. Pourtant, on voit photo chez Google, on voit photo chez Facebook. D'accord. On continue. To-do vidéo. Utilitaire, qu'avons-nous? Voilà, donc il va falloir aller chercher ces applications-là. Alors bien entendu, si vous lancez Ubuntu Software, vous allez avoir affaire au Snap. La preuve, Gnome, Gnome, je sais pas moi, tiret contact, voilà, j'ai bien Gnome, Gnome contact et contact. Ah, attendez, attendez, attendez. Ça c'est quoi? C'est le snap, ok. Et là. Ah non, ok, ça va. J'ai quand même. Ok. J'ai quand même le paquet en provenance des dépôts. Ok, super. Si je fais Gnome, je sais pas moi. photo? J'ai photo ici. Ah ok. Pas un paquet snap, donc c'est en provenance des dépôts. Alors, regardez bien, on va faire. Personnellement, moi je préfère faire ceci. Passer par Synaptique. Le bon vieux gestionnaire. Et là, on va faire recherche. On va faire Gnome. Tirer. Contact.
Donc c'est when. On peut voir, voilà, GNOME Contact, gestionnaire de contact pour GNOME. GNOME Contact est une application autonome permettant d'afficher et de gérer les contacts fournis par toutes les sources disponibles. Évolution, empathie, OK, eh bien je vais l'installer. Sélectionner pour installation, ajouter à la sélection, appliquer, appliquer. Voilà, c'est bon. On va faire ceci. Et en théorie, contactez-la. Je lance. Boum! Génial! Super! C'est cool. Compte en ligne. Ah voilà, il me redirige vers les comptes en ligne. Nickel. Ça fonctionne très bien. Bon, ok, ça fonctionne. Qu'est-ce que je pourrais tester? Qu'est-ce que je pourrais tester? Ah, ben GNOME Photo. GNOME Photo. On peut voir. Donc, voir les photos qui se trouvent donc sur l'ordinateur, donc local et online, et voir les collections de photos qui se trouvent sur le cloud. OK. Allez, sélectionner pour installation, ajouter à la sélection, appliquer, appliquer. Je connais déjà le résultat. Voilà, hop, je descends et photo. Ok, cette photo-là est la photo qui se trouve dans Images. Voilà. Non, ici. Donc, dans, c'est une photo locale qui se trouve dans mon répertoire Images. Ok, mais où sont toutes mes toutes les photos qui se trouvent sur Google Photos et qui se trouvent sur, ben, sur Facebook Photos. Où est-ce qu'elles sont? Album, favoris, photos. Est-ce qu'il y a un check sur le réseau qui serait en train de se faire? Non. Aucune activité sur le réseau. Ça, c'est juste parce que je viens de lancer la 1, quoique. Non. Non. Album, favori, rien. Si je me rends ici. 334-1. Ok, j'effectue une recherche. Ah, mais c'est bizarre. Je fais ah, mais regardez, provenance tout, type tout, correspondance tout. Parce qu'on a local, Facebook, Google. À moins que je devrais spécifier Facebook. Rien. Alors en plus, il m'affiche rien et je dois taper quelque chose. Je sais pas moi. Visage. Non, il n'y a rien. Google. Non, il n'y a rien. Donc, voyez, ça ne fonctionne pas nécessairement. Qu'est-ce qu'on essaierait bien d'autre? Un Google Document. Donne un peu. Ubuntu Software. GNOME-document. Document.
Alors, une application simple pour accéder à organiser et partager vos documents dans Gnome. Son but est d'être une alternative simple et élégante à l'utilisation des gestionnaires de fichiers pour traiter les documents. Une intégration homogène au nuage est possible via les comptes en ligne de Gnome. Voir les documents récents en local ou en ligne. Parfait, c'est ce qu'il me faut et c'est... Ok, c'est bon. Donc, si je vais sur Synaptique et que je fais Gnome-document, ok, 334.0. C'est bon. Installe-moi ça. Appliquer. Maintenant, le problème, c'est que je n'ai pas de document en ligne. On va voir. Donc, certaines applications marchent, d'autres pas. Et ça, c'est bien dommage. Donc, si je fais document, voilà, document. Premier pas avec document. Hein? Et ça, ceci, c'est quoi? C'est ce qui se trouve dans mon Cloud Google, donc chez Google Drive, regardez, il a été le chercher. Ok, ça, je regarde, c'est quoi? Ok, ça se trouverait où? On va voir, attendez, je regarde quelque chose. Collection. Ok, ça. Espace Amaury, objet perdu. En tout cas, il va bien chercher, il va bien en ligne, ça c'est sûr. Ah ben voilà. De toute façon, les sources... Ok. Les sources locales ou chez Google. Par contre... Document, ok. Et pourtant, regardez, Microsoft, document. Mais il ne va pas chez Microsoft. C'est pas mentionné. Ok, donc oui, ça fonctionne. En fait, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent avec Google. Les mails, les mails. Les mails, on va tester les mails. Donc, Ubuntu Software. Attendez, je regarde un peu ce que j'ai comme... Bon, ça, on va fermer. Ok. Ok. Si je fais... Gnome Mail. Ah, moi je commence tout par Gnome. Hein. Et carte de Gnome. Est-ce que. Attendez, je regarde quelque chose. Application carte vous donne un accès rapide à des cartes du monde entier. Elle permet de trouver rapidement un emplacement recherché. Hein? Pardon. Non. Bah ils disent qu'il faut utiliser évolution. Gérer vos courriels, contacts et agenda. Ah oui, lui, il permet de gérer tout, hein. Ok. Évolution. Je vais voir quand même dans Synaptique, recherche. Evol. Évolution. Outil de travail collaboratif avec client de courrier agenda. Ok, c'est ça? Oui, ça doit être ça. Sélection pré-installation. Clac. Normalement, il devrait aller chercher mes courriels chez Google, mes courriels chez Microsoft. D'accord?
Non, j'avais pas appliqué. Appliqué. Ok, c'est bon. Donc on a dit quoi? Et ah ben voilà, évolution, pile en face de moi. Je crois que ça marche. Récupération des informations. Ah oui. Oui, ça marche. C'est génial. Ah oui, regardez. amorilibert@hotmail.com, donc Microsoft, hein, avec tous mes alias. Et si je descends, liberamori@gmail.com, ça fonctionne. Donc courriel, contact, ça fonctionne. Il va chercher mes contacts chez Google. Agenda. Agenda. Oui, il va chercher mes agendas chez Google. Anniversaire, famille, jour férié en Belgique. Regardez. Pas mal. Tâche. Mémo. Ok. Adjugé vendu, ça fonctionne bien. Regardez, vous avez reçu 1777 nouveaux messages. Et alors, oui, voilà, pas mal. Ok, donc ça fonctionne. Qu'est-ce qui nous reste? Bon, je pense que c'est tout, hein. Je regarde. Courriel, agenda. Contact, documents, photos, fichiers. En fait, chez Google, ben, courriel, c'est bon. Agenda, contact. Oui, documents. Photos, il n'y a que photos. Fichiers. Il n'y a que photos et imprimantes, on va dire. Chez Facebook, Facebook, on oublie. Photos, il n'y a rien. Carte. Et Microsoft, courriel, oui, et documents, on oublie. Oui, donc on va dire que, allez, c'est un. Allez, ça marche à 60%. Maintenant, si je fais Gnome tiret. Nous avons. Il y a peut-être beaucoup d'autres applications, hein, qu'il faudrait que je teste. Voilà, mais vous avez vu un peu le principe de fonctionnement. Ok. Voilà, moi j'arrête là, sinon je pourrais encore. J'avais dit courte vidéo, donc je m'y tiens. Je m'y tiens. Allez, bye bye.